On sait que c'est petit. Comptez. Ah, vous. Le wifi pour le voir sur le téléphone, c'est comment? Et on y arrive facile pour un. Eh ben allons-y, on va aller voir. Let him down! I'm not going to be touching him up!
sais pas si t'as le droit d'y aller. Bah, tu vas aller là-dedans. Ouais. Mais toi, je parie que tu vas être trop bien. Viens, on va aller s'asseoir. Non, c'est pas. Salut. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Bon, moi, je vais m'asseoir. Deux pareils. Ouais, ouais. Simplement, nos chouettes effraies oublient que lorsqu'on se rapproche un peu trop près des phares des voitures, eh bien, on peut se retrouver ébloui, paralysé, immobile, la collision est souvent fatale. Et bien, parce que notamment lorsqu'on est en position de stress et qu'on n'a pas de voiture, eh bien, on a tendance à ne plus bouger. Voilà. Alors, d'autant plus si on pèse entre 200 et 400 grammes, vous avez ici Lilou qui est marron rouge. Monsieur ici présent a des origines sibériennes. C'est ce qui explique sa couleur plumage un peu plus claire. Alors il s'agit en fait de Boubou. Boubou est très bavard depuis sa naissance, vous allez voir, même en vol. Voilà. Il est âgé de 5 ans, c'est un adulte, un mâle, il pèse 2 kg pour une envergure qui avoisine les 1,80 m. Alors, bien sûr, je vais à côté de l'étage que les fêtes n'ont pas. Vous faites très bien les hiboux, j'ai l'image, il manque juste un peu le son. Alors, pour la dernière fois, je vais demander aux enfants, notamment, de rester assis. Sinon, nous ne pourrons plus faire circuler les oiseaux, les faire voler au-dessus de vous. C'est pour une raison de sécurité. Merci. Alors, j'en reviens donc là où les rongeurs sont les plus actifs. Pour en revenir à la différence entre les hiboux et les chouettes, eh bien les hiboux possèdent de chaque côté de la tête des pinceaux de plumes qu'on appelle des aigrettes et qui nous indiquent l'humeur de notre hibou. Si vous regardez bien, là les aigrettes sont couchées sur la tête, notre hibou est détendu, il se trouve bien votre présence, c'est pour ça qu'il est toujours aussi bavard. Wow. Et qu'il s'amuse à vous survoler. Ça, c'est notre hibou grandi. Il avait déjà été levé sur la tête. Là, ça serait tout autrement, ça voudrait dire. Les mâles, il faut qu'on crèserait le lorsqu'on. C'est ce qu'on appelle un petit vol papillonnant. En fait, c'est un petit vol battu. On bat très vite des ailes de façon régulière, mais vous voyez, ça permet de se développer quand même assez rapidement. On va souvent utiliser ce genre de vol lorsqu'on survole vos jardins. Parce que c'est vrai qu'on aime bien les petits rongeurs, mais si on peut aussi avoir quelques petits oiseaux pour varier son menu, c'est pas plus mal. Le but, c'est bien sûr de dépenser le moins d'énergie possible en se déplaçant. Alors n'oubliez pas, on va tester votre souplesse au sol. Hein. Voilà. Alors, même si la couleur diffère, eh bien, ces rapaces, on les trouve souvent postés le bord des routes sur des piquets de clôture. Je peux bien sûr parler des... Ah, non, sur les piquets de clôture, les buses, effectivement. Je reviendrai sur les bilans scolaires. Chez nous, on l'appelle la buse de Harris, à l'état naturel, bien sûr. On les trouve au Texas, entre autres au Nouveau-Mexique. Ce sont des oiseaux qui sont très sociables puisqu'ils vivent et ils chassent en groupe.
Alors qui dit vient groupe dit qu'il y a bien sûr un couple dominant. Et ensuite les autres membres du groupe vont participer à l'éducation collective, défendre les territoires et nourrir le reste de la tribu. Alors bien sûr lorsqu'il faut nourrir toute une communauté, il faut en pratiquant ce qu'on appelle la chasse relais. Alors la chasse relais ça se passe dans une de Harry Philadelphia. Quand vous voyez notre pression des serres est faible, hein. Les serres sont toutes petites pour ceux qui l'ont éventuellement voilà, sur leur tête. C'est un oiseau qui est léger, moins du kilo. Ah, madame, il ne faut pas faire voir que vous avez une petite crainte, ça ne va pas aller. Vous mettez du cotonnier aussi parfois, plus que vous. Alors, il ne faut quand même pas se fier à cette apparence. Parce que si le pirate atteint et classé dans la famille des rapaces, c'est que ça reste quand même un prédateur. À l'état naturel, le jet est tout autre, c'est souvent une question de survie. Donc si un petit serpent passe à ses côtés, elle peut très bien s'en nourrir, le saisir et tuer. Le fait d'être aux surfaces, ça lui permet justement d'échapper à la mort de ses reptiles. Voilà, voilà pour l'instant, on se promène tranquillement par le bout, toujours à son rythme, sans question légèrement. Et il faut trouver un perchoir naturel qui soit digne de notre caracara. Allez, on ne bouge pas. Ah, elle va voir quelqu'un d'autre. Ah, on n'a pas trouvé notre père. Oh, madame va très bien faire la ferme. Ah, voilà, regardez qu'on est bien les droites. Madame est parfaite en perchant naturel. On va la garder, madame. Alors, attention, maintenant c'est le moment fatidique. Bien. Cet oiseau, au Moyen-Âge, on l'utilisait pour quelque chose de bien défini. On l'utilisait pour se débarrasser des enfants. Alors, c'est vrai qu'en fait, c'est un. Oui, il faut le mettre par rapport au vent, Bruno. Voilà. Essaye de te faire comprendre. Là, ça va tout de suite aller mieux et pas trop vite. D'accord ? Voilà. Je te demande 30 PGV. Donc, s'il y a un jeu favori, c'est saut de mouton. Alors, c'est un comportement naturel parce que nous, on n'était pas du tout partis pour faire ça. Simplement, vas-y, elle se prend, elle se fait plaisir. Donc, on met vos enfants à notre place. Oui, là, l'escalier est un peu grand. On va essayer de. Allez, bougez pas ! Nous sommes en Zia. 5 pour une envergure qui avoisine les 2 mètres. Alors, bien sûr, le bigger est. Oh, il croit quand même plus à sa taille. Alors, un bigger était bien qui a quand même failli disparaître de son pays. Alors, j'essaie de vous frayer les croix, tous les jours. Un petit soin. Un bigger était bien qui a quand même failli disparaître de son pays d'origine dans les années. On a pu observer des aires du bigger à la tête blanche qui pouvaient mesurer 3 mètres de diamètre pour une profondeur de 6 mètres avec un poids équivalent à 1 tonne. Alors, on ne peut pas parler des aigles ou des rapaces sans parler de leur vue. Une vue 8 à 10 fois supérieure à la nôtre, c'est beaucoup plus d'après des études récentes, ce qui n'est pas surprenant plus concrètement en fait. Attila, mais si tous ses compagnons peuvent voir leur proie à une distance d'environ 1 500 km. Alors que nous, on verrait cette même proie, et on va se montrer très généreux en ayant une excellente vue, et on va peut-être dire maximum 500 mètres. En fait, si on voulait avoir la même vue que ces oiseaux, il faudrait que chacun de nos yeux soit de la taille d'un pamplemousse. On pousse un poil sur le sommet de la petite mouche. Alors, bien.
J'ai préparé. Bon, il y a quand même un peu de... Réalisé par un professionnel. Savoir, jeune Jean-Michel. Ah ouais. C'est qu'il est facile de trouver des porteurs de soufre indonésiens dans la région Auvergne. Ah ouais, c'est des... Oh, oui, je le savais. Oh, ouais. Comme on l'avait il y a 11 000 ans, maintenant on l'a laissé... Ni hao. Ni hao ma. Ah, zut, du chinois, c'est pas la bonne fréquence, je crois. Fe, he, te, et feu. He, te. Heureusement que je suis bilingue, hein. Comment il va?
Mais c'est pas, c'est comme tu veux, mais tu restes, faut pas que tu nous perdes. Hein.